Mais c'est le grand jour aujourd'hui. Je crois que les décorateurs sont déjà passés. Ma chérie. Oui, maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas où comme ça? Je vais au cordonnier pour aller commander ma robe pour ce soir. Je t'explique, ma fille. Tu n'y vas pas sans couronne. Comment ça, mais tu... J'ai pas le droit de sortir. Tu m'interdis de sortir toute seule. Oh, mais tu n'iras pas toute seule, ne t'inquiète pas. Je vais te demander à un de nos gardes de s'occuper de toi. Il doit vraiment me suivre. Oui, pourquoi? Oh non, rien. Ok, bah il est où ton garde? Garde? Oui, madame. Vous allez escorter ma fille jusqu'au cordonnier et l'aider et l'accompagner jusqu'à l'aller-retour. Pour qu'elle aille commander des robes pour ce soir. Bien, madame. Princesse, puis-je vous escorter comme votre mère me l'a dit? Mais bien sûr, suivez-moi. Madame, mademoiselle, vous oubliez votre diadème. Ah. Maman, je peux savoir pourquoi on m'a changé mon diadème? Oh, parce qu'il faut que tu changes ton diadème. Il est mieux celui-là, non? Ouais, un peu serré, mais bon, c'est pas grave. Au moins, il tiendra bien. Bon, dépêche-toi, tu vas être en retard. Oui. Bonjour. Quoi? Oh, bonjour, princesse. Bonjour. Vous voudriez? J'aimerais passer une commande. Des robes de soirée, s'il vous plaît. Enfin, robe de bal, s'il vous plaît. Pour le bal. C'est possible? Bien sûr. Jason? Oui. Combien? 3 si possible. Bien. Des couleurs spéciales? Oh non. Le plus joli possible. D'accord. Tu me fais des 3 tenues de bal et tout. Ok. Vous pourrez repasser dans la journée. C'est pour ce soir? Oui. J'espère que ça sera prêt, bien sûr. Bon, bah, on peut rentrer. Oui, on rentre. Au revoir. Est-ce que votre fils est là? Bien sûr, princesse. Jason? Oui. Vous voudriez lui parler? Oui, si c'est possible. Jason, ça va? Oui, c'est toi. Non, pas vraiment. Comme il y aura de bal, on va me demander de choisir un prince. Mais pour moi, il n'y a que toi qui existe. Alors comment je vais faire? Comment? Je peux pas t'inviter. Je sais pas. Je pense pas, non. C'est dommage. Tu devrais y aller. Ton garde va un peu s'impatienter. Ouais. Moi aussi. Allez, au bout. Bonne fin de journée, monsieur. Ah, mais où étiez-vous? Je vous en pose des questions. C'est moi la princesse, c'est pas vous. Oui, princesse. C'est bon, les commandes ont été passées. Bien. Moi, dans ce cas, je vais aller réveiller tes sœurs. Kayla, tu peux ouvrir, s'il te plaît? Désolée maman, je préfère rester dans ma chambre pour l'instant. D'accord. Ta sœur va te ramener tout à l'heure. Ton costume de soirée. Enfin, ta tenue pour le bal. Bien, bah, je vais te laisser. N'hésite pas à sortir si tu as faim. Oui, oui, t'inquiète pas maman. Ok. Missy? 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 Oui, Missy? Missy? Missy?
Oui, Missy. Oui, Missy. Oui, Missy. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne retrouve plus Missy. Où est-ce qu'elle est? La connaissant, elle doit encore être aux écuries. Je vais jeter un coup d'œil. Oh, mais oh, mon Dieu, où est-ce qu'elle peut bien être? Elle n'y est pas. Comment ça, elle n'y est pas? C'est pas possible. Si, ça l'est. Où est-ce qu'elle peut aller? En plus, je crois qu'elle est partie se promener. Comment ça, elle n'est pas? Eh bien, le box de son poney préféré, enfin son cheval préféré, est ouvert. À mon avis, elle est partie se promener. Oh non, c'est pas possible. Et avec tous les bandits qui traînent. Putain, mais pourquoi? Pourquoi? Je sais pas, moi. Bon, tu veux que j'envoie des trucs à sa des gens à sa recherche? Je sais pas. Elle va peut-être revenir, je sais pas, moi. Le mieux est d'attendre, d'accord? Si on lance des gens à sa poursuite, on n'aura pas assez de personnes pour s'occuper du mal. Ne t'inquiète pas, elle reviendra, j'en suis sûre. J'espère que tu as raison. Moula, ma belle, ça va? Tranquille? Qu'est-ce qui se passe? Moi aussi, j'ai vu un truc bouger, là. Ça fait peur, là. Oh là, oh là, c'est bon, on rentre au château. Des bandits! Vite! Je crois qu'on les a semés. Tant mieux. Bon, allez, rentrons au palais. Yaaa! A plus, ma belle. Eh bien, ils ont déjà préparé. Salut papa, salut maman. Mais tu étais où? Tu es malade. Où est-ce que tu étais? Je suis allée faire un tour comme tous les jours, dans la forêt. C'est tout. Et alors? Rien t'est arrivé? Non, j'ai failli me faire attraper par des bandits, mais bon. Encore une fois, tout s'est bien passé. Oui, mais ça aurait pu virer au cauchemar avec tous les bandits qui traînent en ce moment. Oui, bah c'est bon, lâchez-moi. Une tenue de bal va arriver dans la journée. Tu pourras la mettre pour ce soir? Bah oui, de toute façon, je suis obligée. Quel sauvage. Elle nous a fait une de ses peurs. Mais oui. Oh, j'ai trop peur. Bon. Monsieur? Oui. Je crois que qu'une personne demande à voir une de vos filles. Et qui? C'est le fils du cordonnier. Il demande à voir la princesse Chloé. Bonjour. Bonjour. C'est le fils du cordonnier, c'est pour les tenues. C'est la princesse Chloé qui m'a dit d'aller la voir dans ses appartements. Oui. Je vais aller la chercher. Chloé, ma chérie. Oui. Le fils du cordonnier est là pour les tenues. Tu les passes à tes sœurs, s'il te plaît? Bien sûr. Bah viens, on va aller du côté de nos chambres. Oh, ouais, ouais. Je te suis. Ok, c'est pas grave. Oula, c'est vraiment trop lourd. Tiens, cette pochette-là, c'est pour toi. Dedans, il y a ta tenue, toi. Ok. Ensuite, celle-là, c'est pour Missy. Ok, mets-la dans la chambre, là, à côté. Et celle-là, ça doit être pour Kayla, à mon avis. Ok. Kayla? Je peux entrer, s'il te plaît? Non, tu peux pas, désolée. Je dois te passer ta tenue. Passe-la moi par la porte. Et après, tu refermes la porte, s'il te plaît. Ok. Pourquoi tu veux pas qu'on te voie, qu'on vienne te voir? Ça ne te regarde pas, s'il te plaît. D'accord. Il faut que tu te prépares et que tu mettes ta tenue. Les invités vont pas tarder. Je vais te laisser te préparer. Bon bah...
pas ici, tu sais très bien, je sais. J'ai tellement envie qu'on arrête de se cacher et tout. Je sais, mais bon, c'est comme ça. Je t'aime, moi aussi, mais bon, on n'a pas le choix, c'est tout. Oui, je sais qu'on n'a pas le choix. Bon, allez, il faut que je te laisse. Je vais essayer de m'arranger avec tes parents pour voir si je pourrais venir ce soir. Je te promets rien, mais j'essaierai. Peut-être à ce soir. Dites-moi, jeune homme, vous avez livré toutes les tenues? Oui, c'est bon. Ok. J'ai une question à vous poser. Oui, je vous écoute. Vous demandez peut-être si vous êtes invité. Oui. Je ne pense pas que ce soit possible. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Bonjour madame. Bonjour. En fait, nous voudrions des jeunes hommes d'un certain âge. Le vôtre, bien sûr, mais des princes, oui. Je comprends tout à fait, mais il n'y a pas de mais, vous ne pourrez pas, je suis désolée. Désolée. Les princesses chassent des princes, c'est ça? Oui, exactement. Surtout Kayla, le plus âgé. D'accord. Eh bien, bonne fin de journée, madame. Pourquoi ce jeune homme tient tant à venir?